Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Eric. Bonjour Maxime. On est très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la crise de la dette euh, au Sud. Dans la dernière vidéo, on a parlé de la crise de la dette qui pointe le bout de son nez au Nord avec la hausse des taux d'intérêt notamment. Au Sud, même si le Sud est une grande catégorie, elle est là depuis plusieurs années déjà. Mmh. Comment l'expliquer euh, et euh, par quoi se matérialise-t-elle cette crise de la bon, mais de toute manière, il y a depuis les années 80 une situation permanente ou à rebondissement de crise de la dette de toute une série de pays euh, du Sud. Parce qu'ils sont complètement dépendants, par exemple, de l'évolution du prix des matières premières. Si S'ils si exportent du pétrole et que le prix du pétrole s'écrase, comme ça a été le cas dans les années 80, toutes les années 90 jusqu'en 2003, les exportateurs de pétrole les plus pauvres ont, ou les plus dépendants du pétrole ont, ont des difficultés. Euh, donc il y a depuis 40 ans une situation de crise à répétition. Maintenant, dans les dernières années, il y a toute une série d'événements qui ne dépendent finalement de la volonté des pays du sud de leur gouvernement et encore moins de leur peuple euh, et qui sont le résultat enfin ces événements sont le fait de décisions ou d'actions qui ont lieu dans les pays du nord pensons à la pandémie euh, elle a concerné principalement les économies du nord et j'y mets y compris la Chine qui est au nord géographiquement et qui face à des pays du continent africain, d'une grande partie de l'Asie, de l'Amérique latine, comme elle est la deuxième puissance économique mondiale, euh, on ne peut pas la ranger comme un pays euh, du sud de ce qu'on appelait avant le tiers monde. Elle est une catégorie à part en elle-même euh, et donc c'est la pandémie a, a touché à fond la Chine, l'Europe et rapidement l'Amérique du Nord a provoqué un confinement dans ces différents pays et a par ricochet des effets extrêmement importants sur le Sud. Certains ont été impactés directement par la pandémie. Le Pérou d'une manière absolument dramatique, le Brésil avec une gestion catastrophique de la part du gouvernement néo-fasciste. Jair Bolsonaro, euh, l'Afrique du Sud a été fortement touchée. Heureusement, d'autres pays euh, du Sud, euh, même très pauvres et qui n'avaient pas de quoi vacciner, ont été euh, protégés de la pandémie euh, parce que le virus n'est pas arrivé massivement chez eux. Je pense à Haïti ou à la République démocratique du Congo, par exemple. Euh, mais donc l'impact économique de la pandémie sur l'ensemble du Sud a été très important parce qu'il y a eu une crise économique importante et que les commandes des exportations des pays de, du Sud, les commandes venant du Nord, ont, ont été réduites. Donc un élément de crise. Puis de toute façon, ces pays, même s'ils n'ont pas été, euh, certains d'entre eux, massivement touchés par... Des, des, des morts en quantité catastrophique, euh, ils, ont, ils ont quand même dû augmenter leurs dépenses euh, de santé en prévision de la crise. Donc leur dette a augmenté. Et euh, ils n'étaient absolument pas responsables de, de ça. D'autant que s'ils étaient mal préparés aussi à, à, à faire face à cette pandémie, c'est que... Des organismes comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international leur avaient imposé de réduire les investissements dans le secteur de la santé, de ne pas se doter d'une industrie de production de médicaments génériques, etc. Donc ces pays étaient totalement dépendants des, de, 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 de l'importation de vaccins. Seul Cuba, euh, seul Cuba a été capable de produire son vaccin. Et de vacciner plus de 90% de sa population. Euh, deuxième conséquence de, de la pandémie qui a impacté des tas de pays du Sud, c'est l'arrêt du tourisme. Or, une série de pays du Sud, prenons le Sri Lanka ou Cuba, dont je viens de parler, dépendent très très fortement du tourisme. Et dans le cas du Sri Lanka, on a poussé à fond le Sri Lanka à dépendre euh, du tourisme. Le tourisme s'est arrêté au Sri Lanka. Euh, à cause de la, de la pandémie. Donc là, il a été doublement touché. Et le tourisme, il vient du nord, évidemment. Euh, troisième facteur très important, c'est les conséquences de l'invasion russe de l'Ukraine. Ça a provoqué une augmentation très importante et spéculative des prix du, du, des céréales, même avant qu'il y ait un problème d'exportation des céréales euh, ukrainiennes et russes vers le reste du monde, parce qu'il y avait la guerre, les euh, grandes sociétés qui contrôlent le commerce des céréales ont fait exploser les les prix pour augmenter leurs leurs bénéfices. Et il y a eu l'explosion du prix du pétrole et du gaz euh, liquide qui a eu un impact aussi euh, énorme sur le marché mondial et qui a impacté le sud. Donc Prenons un exemple pour, pour visualiser ça. Le Sri Lanka, île de 22 millions d'habitants, a été impacté par la pandémie dont il n'était en rien responsable, par la chute du tourisme, par euh, l'augmentation du prix des combustibles parce qu'il ne produit pas il, il, et euh, n'exporte pas des combustibles, il importe tout. Et la Banque mondiale et le FMI avaient convaincu le Sri Lanka de diminuer sa production de riz et d'augmenter sa production de thé. Et on ne se nourrit pas avec du thé, on se nourrit avec du riz. Et l'augmentation du prix des céréales s'est répercutée directement sur le Sri Lanka qui, en mars 2022, a été du coup confronté à une impossibilité de paiement. Plus de revenus en devise. Et donc plus de quoi payer les factures de combustible et d'importation d'alimentation. D'où défaut de paiement. Et là, le Sri Lanka a suspendu totalement le paiement de sa dette. On pourrait prendre un autre pays sur un, dans une autre région, c'est le Ghana. Le Ghana était considéré comme un modèle de développement. Euh, lui, il dépend de l'exportation d'or et, et un petit peu de pétrole. Et euh, aussi, il importe énormément de, de céréales. Et donc, alors qu'il était considéré comme un modèle par le FMI et la Banque mondiale, qu'il arrivait à vendre des titres de sa dette sur les marchés financiers, comme le Sri Lanka d'ailleurs, du jour au lendemain, les financements ont été coupés et il s'est retrouvé en défaut total de, de paiement, pour prendre un, un, une autre catégorie de, de pays. On pourrait prendre euh, le Bangladesh, qui était aussi considéré comme un modèle, exportant lui à fond des, des textiles, parce que le, le Bangladesh est un des ateliers textiles du monde. Plein de marques, euh, de grandes marques de Nike, HM et, et d'autres marques de vêtements sont euh, fabriquées dans des grosses usines euh, au Bangladesh. Et euh, le confinement a eu des conséquences très importantes pour le Bangladesh. Euh, et donc du coup, il, est, euh, il a dû faire appel à de l'aide extérieure. Et enfin, alors dernièrement, ça je, je parle de, de 2022, ben, dernièrement, donc depuis un an, la Réserve fédérale des États-Unis, la Banque Centrale Européenne ont augmenté fortement les taux. Et donc ces pays qui avaient facilement accès à des financements extérieurs en émettant des titres de leur dette, puis il y avait la Banque mondiale qui prêtait, puis une série de, de grandes puissances économiques qui prêtaient de l'argent à ces pays, ils sont confrontés du jour au lendemain à toute une série de chocs exogènes, de chocs externes. Ils n'en sont en rien responsables et cette accumulation de chocs font que ben, ils sont en crise de la dette. Pas parce qu'ils ont nécessairement mal géré leur affaire. Euh, S'ils l'ont mal géré, c'est plutôt parce qu'ils ont suivi les conseils du familles et de la Banque mondiale, qui donnent de très très mauvais conseils. Et puis, mais c'est surtout l'impact des, des chocs externes. Et donc on a maintenant, je dirais, facilement 70-80 pays qui sont dans une situation de crise de la dette plus ou moins dramatique. Certains en arrêt total de paiement et d'autres en arrêt partiel ou au bord de l'arrêt de, de paiement. Tu as parlé du Sri Lanka et du Ghana qui sont entrés en défaut et en suspension de paiement. Qu'est-ce qui s'est passé après Est-ce qu'ils ont annulé une partie de leur dette Est-ce qu'ils ont fait une pause et continué à payer Qu'est-ce qui s'est qu passé Malheureusement, leur gouvernement ont fait appel au Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, il y a 100... Non, non, 190 membres du Fonds monétaire international. Donc 190 pays sont membres du Fonds monétaire international. Il n'y a que Cuba et la Corée du Nord qui n'en font pas partie, en fait. Et donc, quand un pays est membre du Fonds monétaire international, il peut faire appel à une aide financière. Ça dépend de son quota dans le FMI. Plus un pays est pauvre, plus son quota est faible. Et s'il est dans une grosse crise de la dette, ben il, le, le financement dont il a besoin est nettement supérieur à son quota. Et là, le, le FMI euh, dit, OK, on veut bien vous prêter de l'argent. L'argent qu'on va vous prêter doit vous servir à reprendre vos remboursements par rapport à nous et aux autres créanciers, les privés, les bilatéraux, etc. Euh, et on peut vous octroyer de l'argent, mais à la condition de poursuivre un certain nombre de politiques qui, sont, euh, qui font partie des recettes habituelles du modèle néolibéral. Donc privatisation, augmentation du prix des denrées de base parce qu'on supprime les subsides, augmentation de la participation des patients dans les frais de santé de la participation des parents dans les frais euh, scolaires, euh, libéralisation de, du marché intérieur pour importer un maximum de choses et donc euh, euh, suppression des aides aux producteurs locaux. Donc tout ça, qui fragilise encore plus l'économie des pays, sont les conditions demandées par le Fonds monétaire international. Et effectivement, ben, le Sri Lanka, le Ghana, se sont tournés, vers le euh, Fonds monétaire international, qui dans certains cas met dix mois à négocier très durement l'octroi d'un prêt à la condition que toute une série de mesures néolibérales soient appliquées. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est de dire, c'était fondamental à dire, et élémentaire aussi, c'est de dire, nous nous retrouvons dans une situation de difficulté de payant sans être en quoi que ce soit responsable de ça. C'est des chocs extérieurs. Et ça, en droit international, ce sont des arguments qui justifient parfaitement la suspension du paiement de la dette sans accumulation d'intérêt de retard. Ça s'appelle, en droit international, le changement international de fonds de circonstance. Le changement fondamental de circonstance. Hein. Ça s'appelle aussi, et ça se combine, et ça s'ajoute le cas de la force majeure. Et ça s'appelle également l'état de nécessité. Le changement fondamental de circonstance, c'est quand le moment où on a signé un contrat d'endettement et les, la situation présente, il y a eu un changement fondamental de circonstance qui n'est pas le fait du débiteur, mais qui est le fait de tiers et quelquefois même du créancier. Et dans, dans, dans ce cas-là, on peut suspendre l'exécution d'un contrat et donc suspendre le paiement de la dette sans devoir payer des intérêts de retard. Le, la force majeure, c'est quand un pays se voit contraint de mettre fin à ses paiements parce que quelque chose de fondamental euh, s'est déroulé. Et l'état de nécessité, c'est l'argument de droit international par lequel un gouvernement dit, euh, je suis dans la nécessité de répondre aux besoins urgent de ma population en matière de sécurité, en matière d'alimentation, en matière de santé, euh, et du coup, je dois suspendre le paiement de ma dette. Tout ça sont des arguments pour suspendre le paiement de la dette, indépendamment du fait que la dette soit légitime ou pas. Okay. Si en plus elle est illégitime, il faut procéder à un audit de la dette et arguer du caractère illégitime, voire odieux de la dette. Et là, on peut non seulement sus suspendre, mais répudier euh, la dette purement et simplement. Mais si un État, par exemple, comme le Sri Lanka, seul mobilise ses arguments de droit international pour euh, suspendre, voire annuler une partie de sa dette, mm -hmm. Euh, sachant que tu as expliqué auparavant que le Sri Lanka était en difficulté aussi pour importer mmh. parce qu'il n'avait plus de devises, mmh. comment ça se passe Est-ce qu'il est sanctionné par les marchés financiers et il a plus Mais de devises et il peut plus importer c est, c est, c est... Ou est-ce qu'il peut s'en sortir sanctionné par les marchés financiers, ben les marchés financiers vont plus lui prêter de l'argent, sauf s'il était prêt à rémunérer le, les prêts du 15%, mmh. par exemple, ce qu'il est incapable de faire. Donc, qu'est-ce qui, qu qui peut se présenter C'est que. La Chine, qui est un partenaire du Sri Lanka, peut trouver intéressant qu'il y a une contradiction entre le Sri Lanka et le FMI, très largement contrôlé par les Européens et les états unis qui déclarent une guerre commerciale à la, à la Chine, et la Chine pourrait trouver ses propres intérêts, qui ne sont pas nécessairement les intérêts euh, des intérêts philanthropiques, mmh. mais peut trouver ses intérêts à donner un coup de main euh, au Sri Lanka. Donc il y a... Il faut se dire que il y a des compétitions entre créanciers et la Chine est devenue un, un créancier important et euh, avec l'augmentation la, des tensions entre les États-Unis et la Chine du fait de, des États-Unis qui de, depuis Trump ont pris des mesures de rétorsion contre la Chine sur le plan économique, euh, ça peut, ces contradictions entre créanciers peut amener euh, le fait que malgré que des créanciers ne sont pas prêts à prêter à un pays, il y a d'autres créanciers qui peuvent se pré présenter et trouver leur intérêt à, à prêter. Donc il n'y a, a pas de situation sans issue. Euh, il y avait les arguments de droit international pour arrêter les paiements mmh. et des aides financières auraient pu venir de partenaires comme euh, la Chine, voire d'autres partenaires. L'Inde euh, a intérêt aider le Sri Lanka et apporte certaines aides qui sont des aides conditionnelles. C'est de dire, je te prête de l'argent pour que tu aies de quoi m'acheter du riz. Ça, ouais. c'est sûr. Mais ça permet au Sri Lanka d'acheter du, du riz. Et donc, il euh, n'y a pas de situation sans issue. Euh, à, par contre, a fortiori, si on se plie aux conditions du FMI, ouais. euh, là, il n'y a pas d'issue. C'est-à-dire la seule issue c'est de se plier aux conditions, et les conditions sont insupportables et amènent à une aggravation de la situation de la population du pays. Et est-ce qu'un pays, comme le Sri Lanka, juste pour terminer sur cet exemple, dans un mm -hmm. second temps, mettons que dans le premier temps, il, se, il emprunte auprès de l'Inde ou de la Chine pour sortir de la coupe du FMI, mm -hmm. est-ce qu'à moyen ou plus long terme, quand ça va mieux, il peut aussi enfin, se avoir une indépendance par rapport à ces créanciers-là si, et si, trouver un mais système. Mais, mais pour moi, ce qu'il doit faire, euh, c'est euh, le, le Sri Lanka en, en complément, c'est de lancer un audit et toute une partie de la dette réclamée à, au Sri Lanka était une, audi, une dette odieuse accumulée par un chef d'État euh, qui avait des méthodes dictatoriales et corrompues et c'était une raison d'une grande rébellion populaire au Sri Lanka. Et il a été défenestré par la rébellion populaire. Il a dû euh, quitter le, con, le pays euh, en hélicoptère pour rejoindre un bateau de guerre euh, et prendre refuge finalement à, à Singapour. Il, il était détesté de la population comme un, comme un gouvernant corrompu. Donc il y avait des arguments pour annuler la dette. Si tu annules la dette, ben, tes besoins de refinancement de, de, de dette sont inférieurs. Tu ne dois pas payer le service de, de, de la dette sur cette dette que tu as annulée. Et comme pays, tu dois commencer à prélever des impôts, mettre à l'amende le, le clan de ce chef d'État, récupérer les biens mal acquis qu'il a placés à l'étranger, et prélever de, de meilleures taxes sur les sociétés étrangères qui, par exemple, exploitent les plantations de thé du, du pays et du coup trouver le moyen de refinancer le budget et relancer l'économie du pays. Donc de nouveau, il n'y a pas de situation sans issue. À partir du moment où un gouvernement décide de, de se battre et d'appliquer un autre type de politique, il peut parfaitement relancer l'économie euh, du pays et plusieurs pays l'ont démontré. Au cours des 20 dernières années, l'Équateur, l'Argentine à sa manière après 2001, la suspension du, du paiement de la dette jusqu'en 2005-2010, qui a connu des taux de croissance importants. Merci beaucoup Eric. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que cette vidéo vous aura éclairé et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt